Jinko, viens mon gamin, tu ne jettes rien, Jinko. Alors ce gorille là, c'est le frère de celle qui vit avec nous. Jinko, je suis là mon garçon, viens. Sa maman ne l'a pas élevé, nous l'avons gardé avec nous. Il a dormi 7 ans dans notre lit. C'est vrai? Oui. Du coup vous aviez deux gorilles dans votre lit? Oui. Oh ça va, on était bien tous les quatre. Mais regardez, c'est quand même un beau mec. À côté, on fait une installation pour des girafes et tout le pré d'un hectare et demi derrière, ça va être pour les girafes le printemps prochain. Donc voilà, les maçons sont en train de travailler. Non mais nous étions tellement ignorants de tout cela, évidemment, ce gorille a été recueilli au Congo par un habitant de Rive-de-Gier. Et ils nous l'ont amené, un jour ils nous l'ont amené ici, alors qu'on ne pensait pas du tout l'avoir tout de suite. Et c'est un petit bébé qui était en barboteuse, c'est un gosse quoi. Et, bon ben nous sommes occupés de lui, et ben, c'était complètement nouveau, mais... Tout de suite, vous attachez quand vous avez un être comme ça qui est là en face de vous et que vous prenez dans vos bras et qui vient se faire câliner. Bon, ben, je veux dire, à moins d'être complètement, je sais pas, hermétique à tout cela, ben, vous trouvez que c'est quand même une relation formidable. Thank you.